Bonjour, voilà quelques animaux qui sont actuellement disponibles chez Fab Corail. Donc là, vous avez quelques ricordéens, hein. Là des super acanthophilia, pas cher, ils sont dans les 90 euros, je crois un peu moins. Là, un astromusa, c'est pas très fréquent. Là, des ignophora. Là, diplioastrea, un mycédium. Là, on a des favidés, un fungia. Plein de petits blastomusins sympas, là, un beau fungia aussi. Là, un petit Corychtis intestinalis, ça c'est des petits poissons qui m'aident à déparasiter les coraux, c'est vraiment sympa. Des petits syngnates. Donc là, un autre ignophora, un Herpalitoa, c'est de la famille des fungia aussi. Un second, là, c'est comme un fungia mais tout allongé. Fungia orange, des verts, des violets, donc là, sous l'aide bleue, ça ressort pas trop. Des beaux corail bulles, plein de plérogyra, il y en a quelques-uns, en moyenne c'est dans les 75-80 euros pièce. Là on a un alvéoporin, un petit catalaphilien, la dégonio, hein, qui sont bien ouverts. Et là j'ai vraiment plein d'acanthastrea, donc j'en ai reçu cette semaine, il y en avait déjà, et du rainbow, il y a vraiment pas mal de choix, on va y retourner tout à l'heure. Hein. Là on passe, on survole les acanthastrea, les alvéopora et les goniopora. Voilà les acanthastrea, superbe acanthastrea orange, des verts, des roses, ça doit être dans les 80 euros. Les rouges là sont dans les 40 euros. La cœur orange 159 euros je crois. Voilà, là il y en a plein. Il y a plein d'acanthes de toutes les couleurs. Il y a vraiment de tout à tous les prix. Les petits frags là sont dans les 30 euros. Là, on repart sur des acanthastrea, plein d'acanthastrea echinata, pardon, et leptosiris. Il y a de quoi faire, des petits frags là qui sont dans les 20 euros à peu près, 25 euros, des trachyphilia verts, trachyphilia rouge, un super trachyphilia vert, enfin vert et brun, qui est aussi assez sympa, escolimia, cinarina. Encore un autre cinarina, un goniopora rose, mais bon, sous lumière blanc-bleu, c'est pas top. Là, c'est en éclairage, c'est de l'hydra qui est réglé avec beaucoup de bleu, un peu de blanc. Des colastrea hyper fluo, hein. Un échinophilien. Là, j'ai reçu cette semaine des super favia. Bon, Soul Dragon, mais un peu d'Australie. Là, on a beau plérogyra, Saint-Philia, pardon. Là, voilà des platygyra. On revoit là le Saint-Philia, c'est une grosse pièce hein, qui est dans les 90 euros à peu près. Des favites, des goniastrea, un gros merulina. Là, des favites aussi qui sont arrivés d'Australie cette semaine. Des merulina, goniastrea, un petit Saint-Philia. Un petit merulina, là un montipora polype vert, il est assez sympa celui-là. Et là des non symbiotiques, tubastrea orange et tubastrea noir. Alors maintenant on va passer à ce qui est arrivé cette semaine en SPS. Alors là, vous allez avoir plein de frags et des colonies un peu plus grosses, là un beau efflorescence. Donc là on est sur un éclairage T5, pardon, hein. Moitié blanc, moitié bleu. Et vous voyez que les couleurs sont assez sympas quand même. Des beaux ténus, il y a plein de ténus, des jaunes, des verts, des bleus. Il y a du Walt Disney, mais attention, il part très vite. Hein. Du Hyacinthus, la superbe Donae, vert. J'ai reçu aussi un super Scolimia Blending Apple. Là, quelques pièces d'Australie. La Hyacinthus, la Millepora, un super Millepora jaune, rose, ténus bleu, là quelques frags d'Australie, un sécalé tricolore, des Lobophilia d'Australie et quelques morceaux de Strawberry Shortcake. Là, c'est assez sympa, hein. Elles sont belles, assez colorées. Voilà, là un Acropora assez peu fréquent, Monticulosa, c'est sympa, ça change un peu. Ah, là, une belle acropora. Là, on passe sur d'autres acropora, des millepora. Là,
des Ténus. Alors là, il y a quelques Walt Disney grade D et aussi du grade A, mais il faut être très très rapide parce que ça part très très vite. Là, voilà, celle-ci est déjà partie là, à l'heure où j'ai filmé la vidéo, enfin où je mets en ligne, mais il y a plein de choses sympas. Alors le contraste là ressort pas top, mais vous verrez sur le site, les photos sont sympas. Microclados du Pikachu aussi. Il y a eu vraiment de belles choses là, un super mix là où il y a un mix de Ténus qui s'entremêlent, c'est vraiment très très joli. Montipora Confusa, en voilà encore, Turbinaria Reniformis, et encore du Ténus là, un super mix, on va le voir un peu plus haut là, de Ténus vert et un Walt Disney, il est vraiment super celui-là. Donc il y a vraiment de belles choses, Delzaoui, Millepora, Floridae. Donc là on va passer sur le bac qui est sous LED. Par contre là le rendu est un peu moins joli parce que la balance des blancs n'est pas la bonne par rapport à l'appareil photo et au LED quoi. Donc on voit quelques là un mix de Ceriatopora, toujours ces petits corichtis qui mettent dans chaque bac à déparasiter mes coraux. Voilà. Et là il y a pas mal de boutures. Hein. De chaque, enfin, c'est ce qui était déjà arrivé il y a quelques semaines là. C'est des animaux qui sont présents déjà depuis un petit peu plus longtemps que ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais il y a de belles choses, hein. Il y a encore de belles choses, du Loripes, bon, Ténus, j'aime vraiment le Ténus, hein. c'est une Acropora qui me plaît bien, c'est un Montipora digitata violet, son petit frère, un Acropora millepora, un Ténus jaune, là il y a un super superbe Sucharnoï, en plus il est pas très cher, il est dans les 50 €, il est vraiment très très joli. Et là, l'une des plus belles pièces, Neshinata Icefire, qui est aussi assez sympa. Bon, au niveau tarif, ça me pique un petit peu plus, hein, c'est dans les 190 € pièce. Quoi. Pour un Millepora, des Stylophorins, d'autres accros, il y a vraiment de quoi s'amuser encore, il y a du stock. Une Acropora d'Australie qui est là. Donc vous pouvez retrouver tous ces coraux hein, sur le site, hein. Faudra chercher un petit peu pour les retrouver sur le site parce que les couleurs changent un petit peu, mais en cherchant bien vous pouvez les retrouver quoi. Donc là toujours quelques accros, hein. Il y a facilement plus de 150 accros en stock en ce moment, hein. Donc de tous les prix, des petits, des gros, hein. Acropora humilis qui est là, un Loripes, il y a vraiment de des choses sympathiques en ce moment. Le stock, je crois, n'a jamais été aussi gros en termes d'accro. Il y a vraiment ce qu'il faut. Donc, il y en a pour tous les goûts. Voilà. Il y a tout ne sera pas sur cette vidéo. Vous pourrez retrouver, par exemple, les Euphilia, les Oanthus, ne seront pas sur cette vidéo-là. C'est peut-être sur une prochaine vidéo. Mais après, ça fait des formats qui sont un peu longs. Sinon, déjà là, on a pratiquement 10 minutes de vidéo. Ça fait un peu long. Quoi. Voilà, ben n'hésitez pas, hein, passez vos commandes, et si vous faut des renseignements, envoyez un petit mail ou un message sur Facebook. Voilà. Bonne...